J'avais soudain réalisé que ma ville était à présent un endroit hostile et étranger pour moi. Je me sentais en sécurité ici, dans l'obscurité du métro. D'autant que Bourbon prétendait avoir des amis à la station aride. Tournant sous terre, j'avais soudain réalisé que ma ville était à présent un endroit hostile et étranger pour moi. Je me sentais en sécurité ici, dans l'obscurité du métro. D'autant que Bourbon prétendait avoir des amis à la station aride. Écoute-moi bien. Les bandits dirigent cette station. Il faut qu'on se déplace sans faire de bruit pour jeter un œil. Si on ne voit pas mes amis, on se barre d'ici. Je me souviens de cette grille. On n'a qu'à... Tu me dois deux chargeurs. Merde, je rentre pas dedans. Bon, reste ici. Le premier dedans, ça roule. Attends! Attends! Qui va là? Hé, hey, éclaire-moi un peu. Oh, mais regarde qui c'est. Bourbon l'ivrogne. Et regarde qui parle. Conduis-moi à ton chef. J'ai des choses à voir avec lui. Mon chef? Mais bien sûr. Alors, allons voir le chef. Où tu voudrais aller d'autre, toi, hein? Ok, ça suffit. Sinon, on va devoir le traîner. On se magne. On finira ça plus tard. On se magne. On va voir s'il a oublié quelque chose. Je vois pas ses affaires. Ouais. Y'a que des rats ici. Ok, alors on y va. Bonjour tout le monde, on continue l'aventure. Donc cette cinématique est tout simplement scriptée de A à Z. Alors c'est du in-game, mais c'est scripté, j'ai aucun contrôle. En fait là j'avais mes mains qui étaient ni sur le clavier ni sur la souris. Donc bon, voilà. Du script. Mais bon, on en redemande hein, parce que franchement, quand on a des trucs d'une aussi bonne qualité. Attendez, je me demande si j'ai le même fusil à pompe, parce que si j'ai le même, c'est pas la peine forcément de changer. Ouais, il me semble que j'ai exactement le même. Ouais, de toute façon, je peux pas les changer, donc bon, tant pis. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai un silencieux, donc... Ah, je peux passer par là. Je parie que je peux passer aussi. Ah ouais, en fait, je peux passer des deux côtés. Bon, à mon avis, ça mène au même endroit, donc bon. Hein. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Là-bas, il y a quelqu'un. Alors là, on peut faire soit la gros bourrin, soit la façon infiltration. Je sais pas ce que je vais prendre. Chouette, on a de la dynamite. Hop, on éteint ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Ah, un couteau. Toujours ça de bon à prendre. Il n'y a rien d'autre. Allez hop, on y va. Par contre, je crois pas qu'on puisse remonter. Donc ça, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'il a raté? Hop. Discrétion assurée. Oh merde. Ah. Il essaye de griller quelqu'un.
Alors attendez, si je me plante pas ici à la grille. Ah bah juste ici. On va éteindre ça. Voilà. Ouh, toi je t'ai pas vu. Merde. Je fais comment là? Comment est-ce que je vais gérer cette situation? On laisse passer. Oh merde. Ah non mais ça c'était pas prévu. Oh putain de... C'était vraiment pas prévu ça. Pourquoi ça pas... Ta gueule! N'insulte pas les méchants. Ouais, parce que pour eux, moi je suis un méchant. Forcément quand t'es pas dans le même camp, t'es une cible. Je peux pas prendre ça. Putain de... Grenade! Oh putain, non, non, pas de grenade, toi ta gueule. Mais il est invincible! Attendez. Oh putain. Oh, je me suis fait défoncer. Oh, c'était monstrueux. Mais vous avez bien vu, hein, je lui ai collé une batte la première fois, ça n'a pas marché. La seconde fois non plus. Alors je me demande en fait si c'est pas le casque qui l'a protégé parce que. Oh non, mais t'es sage. Bon, écoutez, là, on n'attend pas, on fonce comme un taré. Est-ce que. Non, c'est bon, plus de munitions, hop, on se baisse. Là, hein, on fait pas dans la discrétion. C'est moi qui vous le dis. Je recharge tout d'abord. Ça, j'avais l'air d'un con quand j'ai changé d'arme. Hop, toi c'est bon. Et toi, recharge aussi. On va par là. Toi, tu vas se passer. Hein. Putain, mais t'es. Putain de... De hitbox, hein. De mes boules. Mais... Oh, je te déteste. Bon, alors on va aller récupérer des objets ici qu'on avait trouvés. Ah, ça nous fera toujours... D'ailleurs, j'ai jamais utilisé la dynamite de tout le jeu. Ni dans Metro Last Night, d'ailleurs. Je sais pas, c'est pas forcément un truc qu'on utilise beaucoup. Je me suis démerdé sans, en fait. Je suis un joueur à l'ancienne. À l'ancienne. Comme les chips à l'ancienne. Attendez. Maintenant ils sont tous sur le qui-vive. Ils s'attendent à ce que je débarque à la minute. Dans la minute qui vient. D'accord, en fait ils sont... Là. Là c'est peut-être... Oh putain. D'accord. Non, j'ai pas réussi à gérer. Bon, allez hop. Là on sort l'artillerie d'eau. Et on arrose. Putain. Mais attendez, ils sont ainsi ou quoi? On perd des hommes. Ouais, ben, et moi? Du con. Voilà. Un gugus en moins, un autre là. J'ai dit, va crever. Toi aussi. Yes. Allez, là, je suis un carnage. Rien à branler. C'est pas mon karma qui va s'arranger hein, comme ça, mais bon. On fera avec. Je crois que j'ai zigouillé tout le monde, c'est pas croyable. Oh. Par contre là j'ai failli bien me faire avoir. Et ça c'est du one kill. Hein. Ah, vous le savez très bien pour ceux qui ont vu les épisodes précédents. Vous faites toucher, vous êtes mort. Sur le coup. Toi, t'aurais pas dû tirer. Bouge plus. C'est toi qui vas plus bouger, tu vois. Putain de merde. Par où est-ce qu'il passe? Ah. Oh putain. Alors, attendez, je sais pas comment est-ce qu'on change de grenade. Je sais que c'est une honte. Mais attendez. Oui, c'est bon, je me fais tirer dessus, j'ai compris. Est-ce que je... H. Merde, toi je t'ai vu. Sors la tête, il faut pouvoir. Voilà. On a des blessés. Ta gueule. J'en ai rien à foutre. Putain, ils sont vachement bien armés les salauds. Hop. Non, je peux pas sauter. Allez.
Putain, hey, mais... Hein? Pourquoi il dit ça, bonne nuit mesdames? Voilà, comme ça, c'est déjà ça. Rien sur eux. Rien sur toi non plus. Ouais, je visite un peu hein, les lieux. Je suis sûr que c'est très accueillant ici. Hop, ça aussi. Avec moi. C'est bizarre, elle a une couleur un peu... En or. Enfin, en or. Couleur dorée, excusez-moi. Oh putain. Putain de merde, c'est vraiment pas l'arme à prendre. Hein. En dogfight. Oh, attendez, on va s'amuser. Mais... Putain, mais... Oh, je déteste. Voilà. Si encore une seule fois où les mains, je te colle une bastos. Par contre, je savais pas que ça pouvait exploser les cartons et tous ces genres de trucs. Enfin, les objets aux alentours. Ça, c'est une première, ça. Donc forcément, comme j'ai AMD, j'ai pas accès aux effets de particules qui sont offerts par Nvidia Physics. Attendez, est-ce que... Voilà. Par ici, fillette ! Ces balles sont pour toi ! Putain ! Putain, il est pas mort ! Non mais en fait, il m'a fait peur parce que je regardais ça, là. Je me demande s'il n'y a pas un truc en dessous. Il y a toujours des objets bien cachés. Et de bons objets, généralement. Alors, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose. Ah non, en fait, on pouvait passer par là. Ok, d'accord. C'est au cas où si on voulait être discret, mais bon. Là, c'est un peu raté à la discrétion. Par contre, comment est-ce que je sors? Oh, tiens, il y a des balles ici. Moi, je prends. Allez, hop. La calache. Ta gueule! Fais plus jamais peur comme ça. Ah, t'es caché là, toi. Mais, putain, ils sont vachement solides. Et où est-ce qu'il est? Putain, mais... Hop, 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 hop. Ce que j'ai pris, toujours bon à prendre. Ça fait quoi ça? Ouais, je crois que ça ouvre la porte. Ok. Oh, cette branlette était si bonne! Ah putain! Il a vu que je me foutais de la gueule de son copain, hein, il a pas apprécié. Je sais pas ce que c'est non plus. Oula. Oh, j'ai eu de la chance là. Il y avait un explosif en fait ici. Tout simplement, vous marchez dessus, vous attendez un peu trop et ça vous explose la gueule. Oh putain, mais c'est vraiment bien. Et je m'en souvenais vraiment pas cette phase. Attendez, on va aller avec du lourd. Hein. On va pas faire les choses à moitié. Hop. Je vais juste aller voir dans les préférences comment on se soigne. Commande, clavier... Inventaire, je suppose. Ah. D'accord. Merde, on perd des hommes. Vas-y. Je sais pas en fait ce qu'il fait à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il brise la sorte d'ampoule et puis ensuite il la balance.
C'est comme les chamans qui balancent des trucs en disant ouais c'est pour la terre. Tenez, c'est le bon Dieu qui vous l'envoie. Ouch, ça a dû faire mal. Eh mon PC RAM. Alors j'ai prévu et je réfléchis à peut-être m'acheter une nouvelle carte graphique, et cette fois une Nvidia, et d'essayer de mettre le paquet comme ça, aucun de jeux, enfin, les jeux me rameront beaucoup moins. Hein. Comme ça peut-être que je pourrais même vous enregistrer Metro, Metro 2033, non peut-être pas 2033, mais Metro Last Night avec une qualité au full peut-être même, hein, soyons fous. C'est bon, t'es assez mort? L'autre aussi, il est assez mort? C'est bon, tout le monde est bien mort, là? Oh, putain. Et imaginez que dans... Ah bah ouais. En fait, je me disais... Et imaginez si dans les jeux, par exemple, quand vous approchez et touchez une pique comme ça, ça vous enlève des vies. Et ben en fait, c'est le cas ici. Je me suis approché, et ben vous avez remarqué que mes vies ont baissé. Waouh. Putain. C'est pas accueillant du tout. Là, j'ai l'impression que je vais me retrouver avec des monstres ici. Ah bah oui, c'est le cas. Bon, ils sont un peu morts, mais... Ouais, c'est quoi ce truc? On dirait une tête de cochon. Bon, bref. Je m'attendais à trouver un truc, mais bon, y a rien. Ok, donc rien. Ah ouais, c'est peut-être en fait une cage, parce que quand je vois tout est gris... Bon, là c'est mal fermé, hein. Ils auraient des soucis à se faire. Mais... J'ai pas foncé sur les pics maintenant que je sais que ça fait mal, hein. Je suis pas non plus sadomaso. Alors... Ouh, mais... Oh putain, c'est que c'est beau, ça. Ah non. Attendez, en fait il faut le masque. Ah non, il faut pas le masque. Ah, je l'avais depuis avant le masque. J'ai même pas remarqué, vous voyez. Hop, on prend ça. Non, je veux pas remonter du con. Je... Voilà. Voilà, ça c'est bon. Je me demande si je peux faire péter tous ces barils. Attendez. Juste être sûr d'une chose. J'ai pas envie de passer à côté d'un truc. Non. La boîte ne s'ouvre pas. Toi, t'as quelque chose sur toi? Non. Toi, pas de munitions. Yeah. Bon, on peut continuer. Elle est où son arme? Ah. Là, c'est bon, on est déjà passé par là. Là-bas, y'a rien. Là, ça, on peut éteindre. Je me demande si je peux aller là, moi. C'est peut-être là, en fait, qu'il faut aller. Non. Non. Non, de toute façon, ici, il n'y a rien. D'ailleurs, ça m'inquiète fortement quand je me retrouve dans une zone où il faut pas. J'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui va te sauter dessus. Qui va te sauter dessus. Qu'est-ce que t'as amené avec toi? Réponds, enculé, ou je te mets une balle dans la tête. C'est le borgne ou hypocrite? Artyom! Putain, mais... Ah merde! Tadam! Tu peux baisser ton arme, jeune homme. Une fin triste mais prévisible pour quelqu'un de son espèce. Je m'appelle Khan. Eh bien, je suggère de quitter cet endroit sur le champ. Les compagnons de ces bandits ne tarderont pas à rappliquer, et je préfère éviter un autre bain de sang. T'arrêtes. Je rentre à la station maudite. L'humidité ici réveille mes rhumatismes. Si tu veux connaître le même sort que ton ami ne te gêne pas, reste ici. Ouais. C'est vrai, je me rappelle pas qui meurt. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, c'est vraiment con.
Enfin, c'est con parce que moi je m'attendais à. Bon, enfin bref. À lui rendre le sac Kalachnikov. Enfin, pour ceux qui se souviennent, on nous avait promis de filer sa Kalachnikov si on le. À la fin de cette histoire, mais bon, bah. Ça fait à voir. Oh! Toi, je t'ai pas vu, toi. Faut que t'es moche. Que tout est moche! Voilà, j'éteins ça. Ah, je me demande si on reste assez longtemps. Est-ce que les mecs ils débarquent? Juste par curiosité. Vraiment pas. Non, je. Sage décision. Je comptais pas partir avec toi.